voilà, tu rentres dans le bistrot, ça fait une heure que t'attends. T'as déjà bu 7 cafés, t'as des tics, des tremblements. À peine assise, elle te dit qu'elle peut pas rester longtemps. T'aurais préféré toute la nuit, elle partage pas tes sentiments, malheureusement. Tu lui fais des yeux de fan malade, elle regarde sa montre. Pendant que tu parles, bip son portable, ça la gêne pas de t'interrompre. Une autre fille attend, seule au coin du comptoir. On lui a posé un lapin, t'es trop occupé pour la voir. Toi tu dévisages l'autre qui parle au téléphone très fort. T'as l'impression d'être invisible. Faute de batterie, tu recommences à la pister. Elle te raconte sa vie. Ah, tu fais vachement bien, mec captivé. Elle est un peu mannequin, un peu actrice, un peu serveuse. Elle est un peu pédante, un peu égoïste, un peu blogueuse, un peu allumeuse. Mais elle est jolie. T'aimerais la connaître bibliquement. Bibliquement en poésie, ça veut dire. Ah bon, cabossier tout simplement. Au coin du bar, la fille ou la lapin s'ennuie. En y regardant plus près, elle aussi, elle est jolie. Tu la trouverais adorable, les choses qu'il a plus de prix. Elle coupe son portable quand elle est dans votre compagnie. Mais c'est l'autre que tu convoites, tu te décides à conclure. Sa réponse est niette, elle rejette ta candidature. Elle avait oublié de te dire, elle a déjà un copain, ça finit de t'anéantir, c'est le coup du lapin. Habillé pour l'hiver. T'as pris une belle veste, hein. Là c'est plutôt une doudoune là, avec une des franges, une doublure en cortex. La fille au lapin paye son verre, elle en a marre, tu la remarques enfin. Lorsqu'elle quitte le bar, bah oui, mais c'est trop tard.